Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve une fois de plus pour la présentation de masques tissus. Cette fois-ci du coup je vais te parler de deux masques tissus de la marque Garnier. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc du coup à savoir que ces masques tissus que je vais te présenter comportent en fait une collection de 3 masques. Il y a un vert, un bleu et un rose. A savoir que le bleu du coup je l'ai déjà présenté lors d'une vidéo, donc je t'invite à aller voir dans le petit i et dans la barre d'infos pour du coup avoir la vidéo présentation de ce masque là. Tout simplement parce qu'à l'époque en fait quand je l'ai présenté, il y avait au départ que celui-ci, et Garnier a sorti je crois 2-3 mois après les deux autres, et donc du coup permettait de mieux compléter la collection. Donc petit détail, le masque rose est pour les peaux sèches et sensibles, et le vert du coup est pour les peaux normales à mix. Ma peau change un petit peu selon les périodes, selon les périodes de la vie, les choses au niveau de la météo, etc. Donc ma peau est assez en fait multiple au niveau des effets, donc forcément j'ai besoin d'un peu de tout. Donc du coup on va commencer par le vert, donc pour les peaux normales à mix. Donc c'est un masque, donc je sais plus si je l'ai dit, de la collection du coup Hydra Bomb. Donc comme l'autre masque, comme il y a pas mal aussi de collections Hydra Bomb. Je crois qu'il y a une crème de jour, une crème de nuit, des trucs comme ça. Donc il y a pas mal de choses dans cette collection en tout cas. Donc on est sur un masque super hydratant, rééquilibrant pour celui-ci, l'autre est apaisant. Celui-ci du coup va être réhydrate intensément, matifie la peau et réduit visiblement les pores. Donc c'est au thé vert à l'acide hyaluronique, donc du coup en même temps ça te donne un petit coup de jeune, donc c'est pas plus mal. Et on va être du coup avec un sérum hydratant, donc pour peau normale à mix, à laisser poser du coup environ 15 minutes. Et voilà, c'est juste marqué après que c'est un masque qui est égal du coup équivalent à une semaine du coup d'actif Hydra Bomb, le soin. Alors, du soin Hydra Bomb jour, c'est même précisé au niveau des détails, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc en fait la différence pour ces 3 masques, à part le fait du coup qu'il y en a un qui soit rééquilibrant, l'autre apaisant et le troisième du coup je ne le connais plus par cœur parce que je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais à savoir du coup que les 3 se complètent du coup par rapport à ce petit détail, mais en même temps du coup ils sont tous les 3 censés être aussi équivalents à une semaine du coup d'actifs hydratants du soin Hydra Bomb jour. Voilà, donc ça c'est un petit détail vraiment à retenir mais qui change un petit peu toute la donne. Et donc du coup en ce qui concerne celui-ci, le rééquilibrant, bah en fait on ne ressent pas spécialement quelque chose se produire du coup sur le visage quand on le pose. Certes j'ai senti quand même ma peau être hydratée, être nourrie, et ça c'est vraiment très agréable quand on ressent du coup sa peau se nourrir vraiment du produit et du coup être nourrie. Ma peau à chaque fois que j'ai utilisé, donc je parle pour les 3, était assez rebondie, assez voilà, tout, un peu comme toute neuve en fait, elle était vraiment rebondie, elle faisait un petit peu plus jeune, ça faisait vraiment une petite peau, une personne de quelques années de moins, hein, j'ai plus 12 ans. Enfin voilà, mais ça donne vraiment sur le moment, et même au bout de 2 jours, tu as vraiment cette peau très rebondie, d'une peau très très jeune. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très agréable. A savoir du coup que celui-ci je l'ai apprécié, l'odeur n'était pas très présente, donc ça c'est pas mal parce que leur masque, ils ont une odeur mais très discrète, donc du coup ça permet de pas être perturbé, parce que autant il y avait d'autres masques tissus que je t'ai déjà présenté sur la chaîne où l'odeur était très présente et des fois c'était pas très agréable. Et en ce qui concerne du coup ce masque pour le vert, en tout cas j'en suis convaincue. Et si on partait du principe du coup de je rachète ou pas, oui je serais tentée de le racheter. Mais je préfère quand même pour cette vidéo le rose. Donc du coup en ce qui concerne le masque rose, déjà qu'est-ce que je peux dire? Donc déjà c'est le apaise les sensations de tiraillement. Quand je l'ai utilisé ma peau était tellement sèche, honnêtement on aurait dit un pruneau déshydraté. Je crois que je l'ai dit il n'y a pas très très longtemps que ma peau était comme un pruneau déshydraté. J'ai l'impression de me répéter en ce moment. Bref, toujours est-il que du coup ma peau était comme un pruneau déshydraté, surtout au niveau du visage. Je sais pas quelle connerie j'ai pu faire, mais ma peau avait vraiment besoin d'être réhydratée. Et donc du coup, comme je savais que j'avais ce genre de masque là en réserve, je l'ai tout simplement utilisé. Donc déjà j'ai senti ma peau réhydratée, nourrie et moins tiraillée au niveau justement de cette sensation de sécheresse. Je sais plus quelle bêtise j'ai fait, mais j'ai dû en faire quand même pas mal parce que je t'explique pas à quel point les dégâts étaient importants. En ce qui concerne du coup ce masque, ce que j'ai aussi énormément adoré, et c'est pour ça que celui-ci je serais plus tentée de le racheter que l'autre, c'est le côté apaisant. Donc pour ceux qui ne le seraient pas encore, au cas où, je préfère le redire, là le jour où je filme du coup, je filme cette vidéo avec quelques temps d'avance quand même, et le jour où je filme, je n'ai toujours pas fait ma liposuction. Pour te dire
pour éviter de dire des bêtises, on est du coup mardi 17 octobre. Voilà, donc je crois que tu auras quasiment un mois de décalage. Mais du coup, on est du coup mardi 17 octobre pour moi. Et ma lipo est le 25. Donc comment te dire que les jours là arrivent à grands pas. Et donc du coup, je l'ai utilisé il n'y a pas très très longtemps où je commençais du coup réellement déjà à stresser. Oui, je suis une personne qui stresse assez facilement. Et donc du coup, ce que j'ai énormément aimé dans ce masque, ça doit être sûrement l'odeur ou la sensation qu'il y avait sur mon visage. Mais je me suis sentie détendue. Pour être honnête, du coup, je l'ai testé après avoir fait un bain Lush. Et du coup, comme la salle de bain, pardon, qu'on utilise où il y a la baignoire est juste à côté, eh ben, je vais faire du coup mon masque ici en m'allongeant pour être tranquille, pour être allongée et éviter que le masque se casse la figure, que le produit dégouline un petit peu dans le cou, etc. Et tout simplement, quand ma mère a eu fini son bain, elle est venue me voir et elle s'est rendue compte que j'étais en train de dormir. Pour te donner une idée, je ne dors quasiment, au grand jamais, la journée. Si je fais une grasse mat, je fais une grasse mat, mais faire une sieste à n'importe quelle heure, que ce soit midi, 13h, 14h, 18h30, 19h, ça n'existe quasiment pas. À part quand il y a des repas de bouffetance, genre Noël en famille. Oui, toi-même tu sais ce genre de repas là où tu finis, t'as le ventre tellement plein que tu crois que tu vas crever et que ton ventre va exploser. Mais à part pour les repas du coup de famille de Noël, les siestes chez moi en pleine journée, c'est vraiment inexistant. Donc du coup ma mère a été totalement surprise et s'est posé des questions de est-ce que j'étais bien, est-ce que j'étais pas malade? Et je lui ai dit non, je suis juste en mode zen. C'est le masque, t'inquiète pas maman, regarde le masque, il y a marqué apaisant, donc je suis juste zen, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc du coup voilà, en ce qui concerne ces masques, j'en suis totalement satisfait. Est-ce que je serais tentée de les racheter? Je te dirais oui. Mais honnêtement, en ce qui concerne du coup ces deux-là, je serais tentée tous les deux de les racheter, mais avec quand même une énorme préférence du coup pour le rose. Car tout simplement, le côté très apaisant est juste au top pour une personne comme moi qui est du genre à stresser un peu pour rien. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. N'oublie pas du coup de t'abonner en cliquant sur ma petite tête et aller voir les vidéos que je te mets en recommandation. N'oublie surtout pas du coup d'aller voir dans la barre d'infos pour aller voir la vidéo du coup sur le masque bleu et aussi pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Car il y aura peut-être un concours sur Instagram, je dis ça, je dis rien. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !